Bye.
Merci. Avant chaque album, il y a souvent une personne, un réalisateur avec qui j'ai envie de travailler. C'est le son. Après, des envies de chanter des chansons d'amour, ça c'est assez à chaque fois. Ouais, il y a un moment, il y a vraiment une envie de faire un disque, de créer des chansons, de les chanter, de fabriquer ce petit monde qui est un album, qui est un moment de vie aussi, vraiment quoi. Là, je sais que personnellement, j'avais besoin de joie, de lumière. Et que je me disais, ça peut plaire, ça peut plaire avant. De toute façon, quand tu fais un album, tu le fais pour toi, il faut que ça te plaise à toi. Mais ouais, c'était le côté de la lumière, je cherchais la lumière. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfin, à moi-même. De temps en temps, ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse. Dans ce vent, que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Sa peau, oublier qu'on fut avant. Pour d'autres, un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang. Cerco tutto l'anno, penso a
C'est compliqué, ouais, c'est compliqué d'accorder les nouvelles chansons aux anciennes. Et puis moi, j'adore ça quand je vais voir les concerts. On se dit pourvu qu'ils chantent ci, pourvu qu'ils chantent ça. Et quand les chansons arrivent, on est tellement heureux. Donc je prends ça aussi en considération. Et puis en plus, ces chansons, elles font partie de mon ADN. C'est important aussi pour moi. Des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il est là à bornir les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il est là les fissures, fermer les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il est là la littérature, le manque d'élan, l'énergie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, se disant pourquoi pas. Il est là là là, si on prenait le temps, si on prenait le temps. Il est là la littérature, le manque d'élan, l'énergie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. On les regarde, qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il est là le mystère, le silence sous la mer qui lutte contre le temps. Il est là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il est là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il est là la littérature, le manque d'élan, l'énergie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, se disant pourquoi pas. Merci. Je suis là.
Merci beaucoup. En fait, vers, je sais pas, 10-11 ans, j'ai découvert Prince. Ouais. Et j'en suis devenue dingue. Et à travers lui, ouais, j'ai découvert les autres. Ses maîtres à lui. Sam Cooke et Marvin Gaye. Et Al Green et Sly Stone. Et les influences, c'est quelque chose, c'est assez extraordinaire parce qu'ils sont dans votre vie, ils sont dans votre tête. On travaille peut-être beaucoup avec quand on prépare un disque. Et puis après, quand on arrive en studio, ben, en fait, on est dans le moment présent et on est dans la chanson qui est face à nous. Quand je suis allée faire mon album, mon troisième album à New York, j'étais entourée de musiciens américains, new-yorkais, qui m'ont fait découvrir un tas de choses. Toute ta culture musicale, elle se fait tout au long de ta vie. Je travaille plutôt dans mon coin toute seule avec une guitare sèche et je commence par la musique.
Je peux faire une chanson d'un coup ou des petits bouts, deux chansons sur lesquelles je travaille pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à ce que j'arrive à en tirer quelque chose de bien. J'essaie toujours d'écrire des textes aussi en même temps et j'ai beaucoup plus de mal à écrire des textes qui me plaisent. Alors souvent je fais demander de l'aide à des poètes pour m'écrire des mots qui soient beaux et qui sonnent. Mais ça m'est arrivé d'en écrire quelques-uns, j'en ai quand même écrit quelques-uns des textes, mais c'est plus souvent la musique. Dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou. Et quoi qu'il advienne, je resterai tienne à toi jusqu'au bout. Bien sûr. Et en même temps, je remercie les années derrière et cette expérience qui me sert énormément. Et puis, oui, de toute façon, on apprend toujours parce qu'on travaille avec les gens. Et les gens, chacun, on est tous pareils, mais on est tous différents. Et donc, le plaisir et la réussite de travailler avec quelqu'un, c'est quand on est tout à l'écoute de cette personne et pas qu'on fasse tout le temps la même chose. Moi, ça m'intéresse moins. Donc, de rentrer dans l'univers de quelqu'un et qui, surtout, il rentre dans le mien. C'est vrai que j'ai des envies, j'ai pas toujours des idées extrêmement précises, mais je sais ce que je veux pas. Et j'ai des envies d'atmosphère, d'instruments, d'incorporer des cordes, des cuivres et des chœurs dans beaucoup de chansons, même après aussi de tenter des choses très épurées aussi. Mais il y a une idée, et puis en même temps que tu travailles, tu cherches et tu as des surprises. Il y a de l'improvisation et c'est ça qui donne la magie. On oubliera
se manquer, que la nuit s'achève et passe les journées, que l'hiver se lève, les peines et les fiertés, les guerres et les trêves, nos corps emmêlés. On ne garde chaque chanson te fait chanter différemment. Puis la voix, elle change aussi, elle évolue. C'est que j'ai commencé à chanter à 14 ans, elle n'était pas finie ma voix. Elle était très aiguë, était très. Évidemment, les années lui ont donné de la matière et du grain, et c'est tant mieux. Thank you.
Les musiciens avec qui je joue en ce moment sont de grands musiciens qui viennent pas forcément des mêmes univers musicaux, et de les voir tous dans le même groupe, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est le reflet de la vie, la vraie vie. À la guitare, Seb Hogg. À la basse, Mathias Salaman. À la batterie, Laurence Claes. À la guitare et au cuivre, Olivier Watson. Et au clavier et au cuivre, à la direction musicale, Rémi Galichet. Chaque nouveau projet, c'est, même si on sait sur son expérience, c'est quand même une remise à zéro à chaque fois. Donc il y a quelque chose de très excitant. Et puis
toute façon, à partir du moment où on n'a pas envie de refaire plusieurs fois le même projet, à chaque fois, y a le rêve. Le rêve est là, quoi, de chercher comment est-ce que ça pourrait se passer. Après, évidemment, mais je ne sais pas si ça se fera vraiment un jour et si elle existera comme je voudrais. Mais si j'ai jamais fait de comédie musicale, ce serait le rêve. L'un sans l'autre, c'est un incendie, un incident bien senti. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un incendie qui ne s'éteint pas de la vie. L'un soleil, l'autre lune. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a passé un bon moment avec vous. Merci beaucoup.